Nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose le régisseur de la prison centrale de Condingui et la Fondation EIA. Dans la journée du vendredi 11 janvier, cette formation humanitaire a été la destinataire d'un message masqué proférant de lourdes menaces. La capture de ce message belliqueux a été mise en ligne sur la page Facebook de la Fondation EIA. Impossible à identifier jusqu'ici, l'auteur de cette missive s'associe à la prison en disant qu'elle a ses réalités et qu'à cet endroit, c'est eux qui font la loi. Il poursuit en déclarant que les membres de cette fondation reviendront dans le pénitencier, et qu'à ce moment-là, ils seront simplement éliminés. Le corbeau associe en outre EIA Paul Abinemris Kemto, les accusant de se cacher derrière cette ONG pour financer le terrorisme. Il termine par une promesse on ne peut plus claire. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification.